La cérémonie d'aujourd'hui offre à nous autres, membres du recommandement de la PNH, l'opportunité de rappeler que la vision innovatrice qui fut à l'origine de la création de cette institution demeure toujours la même. Certes, sa matérialisation s'est heurtée à pas mal d'embûches qui ont jalonné le cheminement de l'institution policière dans sa quête de professionnalisation et de progrès. Cette vision demeure pourtant vivante dans nos esprits. Elle est fermement ancrée dans les tréfonds de notre âme policière. Cette vision est celle de voir la police nationale d'Haïti se transformer au cours des décennies à venir en une institution publique compétitive, c'est-à-dire une institution qui est attentive aux besoins des citoyens, une institution qui se préoccupe d'améliorer jour après jour la qualité du produit qu'elle offre à la collectivité. Nous voulons parler de ce bien commun qu'on appelle la sécurité publique. À la lumière des grands défis qui nous attendent, nous devons reconfirmer devant la nation tout entière notre détermination à poursuivre le travail de consolidation des bases institutionnelles qui ont été jetées par nos devanciers avec l'aide de la communauté internationale en général et de la MINUSTAH en particulier depuis tantôt 9 ans, conformément au plan directeur, communément appelé plan de développement 2012-2016, on va continuer à mettre l'accent sur les 3 grands axes de développement suivants: le renforcement de l'effectif, la formation continue du personnel, la modernisation des infrastructures. Qu'il s'agisse de former de nouvelles recrues, d'équiper les unités de police ou de construire de nouvelles infrastructures d'accueil, l'attention sera portée aussi bien sur la qualité que sur la quantité, Dans cette perspective, le premier volet du plan de développement n'aurait jamais pu se concrétiser sans le soutien du chef de l'État, Son Excellence M. Michel-Joseph Martelly, du Premier ministre et président du Conseil supérieur de la police nationale, Son Excellence M. Laurent Salvador Lamotte, et de son gouvernement. L'appui des pays de la communauté internationale, particulièrement les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France, le Chili, la Colombie, le Brésil, la République dominicaine, le Japon, le Panama et tant d'autres ne sauraient être négligés. Grâce à la coopération avec les États-Unis d'Amérique, le Chili et la Colombie, des centaines de cadres et d'agents de ligne ont bénéficié d'une formation spécialisée dans leur champ de compétences. Le problème de la désuétude des armes de dotation individuelle est pratiquement résolu par l'acquisition auprès du gouvernement brésilien des pistolets Taurus pour les remplacer. Quant au Canada et au Japon, c'est surtout dans le domaine des infrastructures que leur coopération est la plus visible. Grâce aux fonds décaissés par le gouvernement canadien, la PNH dispose sur le campus de l'École nationale de police d'une académie provisoire qui assure désormais la formation de ses cadres supérieurs et intermédiaires. De même, ce pays s'est aussi engagé à financer volontiers les travaux de construction des locaux définitifs de l'Académie nationale de police, dont le site se trouve à Gantier. Policiers, policières de tout grade confondus, en accédant aujourd'hui à cette majorité constitutionnelle, nous venons de franchir, malgré nous, le Rubicon de notre destinée. Cette destinée est celle d'une police qui doit se mettre au diapason avec le temps, sous peine de perdre sa raison d'être, une police qui est condamnée à avancer sous peine de disparaître. Au-delà de tous les engagements pris par les plus hautes instances de l'État et des amis de la communauté internationale pour soutenir les plans de réforme de la police nationale, le niveau de professionnalisme dont nous rêvons tous pour notre police ne pourra jamais se concrétiser sans la ferme volonté de chacun de vous. Nous avons célébré 18 années depuis la police nationale pays d'Haïti été créée. Dans notre gouvernement, le premier bail que m'a dit chaque policier, c'est merci.
Merci en pile pour sacrifice que nous fait chaque jour bon Dieu mette. Sacrifice que nous fait pour chaque citoyen, à chaque citoyenne capable de vivre dans sécurité. Sécurité qui permet si moun à l'école sans qu'elle saute. Sécurité qui permet si machin faire commerce sans menace. Dossier sécurité a pas qu'à créer division. Mais quel que soit camp politique courrier, tout haïtien d'accord que pays a besoin d'un bon système national de sécurité qui pour garantir protection avec la paix pour chaque citoyen, citoyenne pays d'Haïti. Comme dossier sécurité nationale là, pas qu'à diviser nous, gouvernement ça a pour l'histoire, doué, journée aujourd'hui, 12 juin 2013, parler au Tikal sur qui côté nous te joignent question sécurité à avant le 14 mai 2011. Nous devons parler tout de qui ça que nous devons faire pour garantir sécurité pour chaque citoyen, à chaque citoyenne dans chaque section communale pays. Et qui je nous devons reprendre droit grand monde. Eh bien, pour l'histoire, nous jouons nos pays avec 8940 militaires à 4391 policiers étrangers là-dedans qui coûtaient plus passé 800 millions de dollars américains chaque année. Gouvernement ça, président Matéli, jouent une police qui était faible. Nous jouons tout une police qui était dans les affaires politiques. Nous jouons kidnapping qui t'a valé terrain. Nous jouons une force qui t'a gagné certains éléments qui t'a dans la drogue. Nous jouons une police qui a un problème. Problème équipement, problème moto, problème manger, problème assurance. Nous jouons une force qui manque formation, manque entraîné. Nous jouons militaires démobilisés. Nous jouons un pays sans défense. Côté Zéglin de Tapvalet terrain. Nous jouons un pays qui a perdu souveraineté nationale. Nous jouons un pays côté que t'es un policier pour chaque 1000 habitants. Depuis le président Matéli prêté serment. Nous avons une stratégie pour nous renforcer la capacité de sécurité nationale du pays. Seulement, le gouvernement, pour contre lui, n'a pas réussi. Nous avons besoin de collaboration du Parlement haïtien, force politique du pays, société civile, la communauté internationale, la, pour nous continuer à professionnaliser la police. La jeune commence à faire. Pour nous capables. Continuez à courir policiers avec policiers. Je vous renouvelle mes compliments pour le remarquable, difficile et parfois périlleux travail auquel vous vous adonnez. Et je suis sûr que vous aurez à cœur de maintenir l'estime que vous avez déjà conquise dans l'esprit de la population. M'a profité occasion ça pour m'assurer nous. Que m'a continué ban nou tout si pour moi capable. M'a continué mettre confiance moi dans volonté que nous gagnons pour nous protéger peuple haïtien pour servir pays nous. C'est ça que fait m'a ban nou garantie que sous mandat pam nan pas gagne rien ni personne qui a empêché la police nationale de continuer à professionnaliser pour qu'elle prenne force
pour le combattre avec plus de résultats, banditisme, kidnapping, crime avec trafic toute qualité. Dans le moment que nous avons fêté 18 institutions aujourd'hui, je voulais exprimer nos appréciations pour chaque policier et manifester reconnaissance toute République là pour la bataille que nous avons menée chaque jour pour bon gens sécurité avec stabilité blayi dans tout pays. La bataille ça n'a pas de prix. Et mission que nous avons pour nous remplir, l'exiger sacrifice. En pile, nous tombons en bas de l'assassin, kidnappé, acte de drogue. Mais moi, qu'on est, nous ne pas suspendre la bataille. Parce que la cause qui engage nous, le plus important, c'est toute bagaille. Et la cause, ça, c'est protéger et servir la nation avec les peuples haïtiens. Jeudi 12 juin, moi t'a remé pour nous sentir nous fiers pour gros rôle n'a rempli dans société ya. Parce que nous-mêmes nous c'est gardien l'ordre avec l'autorité publique. Pour nous porter uniforme la police là avec un pile fierté. Parce que c'est symbole autorité que nous représenter. Symbole loi avec valeur que n'a défendre chaque jour. M'a encouragé nous pour qu'on soit ferme. Et puis nous mettre compter sur moi dans tout effort n'a fait pour l'ordre public et stabilité avec la paix établi dans chaque département, dans chaque ville, dans chaque commune, dans chaque section rurale et dans chaque foyer.